taverne de Bjorn d'Ensanglante ne devrait pas être loin. Va voir, Zenin. Ce doit être Bjorn, le berserker. Déploie tes ailes, Zenin. Mes yeux n'oublieront jamais cette vision. Tes cheveux si longs, si beaux, chantent ton combat. Toi, la peau douce, en pelure de loup, sans leur coup. Je combats pour la gloire, mordeur de boucliers, briseur de murs nés dans le tumulte. Bientôt, Alfie. Un homme qui combat accompagné d'un grand ours blanc. Tu es Bjorn d'Ensanglante. Demande aux morts. Que te disent-ils? Ils disent... Nous ne voulons pas de changeurs de peau par ici. Ils voulaient ma mort. Ils n'étaient pas les premiers. Et toi, tu es venu te forger un nom au combat? Un cadavre de plus sur mon seuil ne me dérangera pas. Je ne suis pas venu t'affronter, Bjorn. Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Et je viens t'offrir une place dans notre halle. Je n'ai pas de clan, et je n'en cherche pas. Tu préfères vivre ici, seul avec ton ours? Je préfère la vengeance, à l'encontre de ceux qui ont pendu ma femme et l'ont laissée au corbeau. Qui est cet homme? Un seigneur de Mercy, dont le nom ne souillera pas mes lèvres. Il a beaucoup d'hommes, une armée peut-être. Mais cela ne m'arrêtera pas. Alors laisse-moi t'aider. Si tu tiens vraiment à venger ta femme, tu ne dois pas mourir au combat. Je vais y réfléchir. Njal, pars avec mon ours. Remplis-lui le ventre. Et si Njal a confiance en toi, qui sait, nous ferons peut-être comme tu le proposes. Il est bien calme pour une bête aussi sauvage. Vraiment. Dis-moi, que mange une ours telle que toi? Tout ce que tu veux, c'est ça? Eh bien, montre-moi, alors. D'après les Skalds, Bjorn t'a emmené au combat quand tu étais toute petite. Et il t'a élevé comme un enfant. Ce sont tes fleurs préférées? Ça ne se mange pas, Njal. Cela me rappelle les étés de Norvège. Il y avait des champs comme celui-ci près de la halle de Heming. Je comprends pourquoi Bjorn aime t'avoir auprès de lui.
veux du poisson, Nial? Allez, tiens. C'est bon, le poisson, hein? Mange tout ce que tu veux, ma grande. Arrête que je te prenne! Allez, les gars, on va y arriver. Ce démon! Et son maître! Ce n'est pas le berserker! On s'en fiche! Il faut les tuer! Tous les deux! Mort aux ours et aux Danois! Avec moi! Arrière! Cette phrase est pour moi! Les hommes t'ont cherché, Nial. Bjorn est peut-être en danger lui aussi. Nourrir les asticots. Dieu te maudisse.
sais te battre. Tunique de corbeau. Ces hommes n'étaient pas venus pour l'honneur de tuer un berserker légendaire. Non. Ils servaient ce seigneur de Mercy. Mon ennemi de sang. Le meurtrier de ma femme. Comment est-elle morte? La renommée à ses revers, Eivor des Grands Corbeaux. En Norvège, de nombreux jeunes Thanes ont voulu me tuer pour la gloire. Ils l'ont payé de leur vie. J'en ai eu assez de tuer. Alfhild et moi sommes venus ici pour commencer une nouvelle vie. Paisible. Mais ta renommée t'a précédé. Ce seigneur de Mercy a entendu parler de tes prouesses et a voulu ton sang pour gagner en prestige. Tu as bien deviné. Mais il voulait d'abord que je boive la mixture des berserkers. Lorsque j'ai refusé, il a exigé. Il a imploré et offert de l'or. Puis il... Il l'a pendu. Alfhild. Ta querelle de sang est juste. Mais il faut que tu la règles seule. Non, tu as bien parlé. Je ne veux pas mourir en combattant. Je veux mourir en sachant que ma femme est vengée. Je veux tuer cet homme. Aide-moi. Dis-moi ce qu'il te faut. De la jusquiam noire. C'est le dernier fragment de magie dont j'ai besoin pour ma mixture. Tu l'auras. Et quand ce sera terminé, je te fais confiance pour offrir ta hache au clan du Grand Corbeau. Apporte-moi la jusquiam sous l'arbre aux pendaisons, au sud de Beodoritchworth. La jusquiam pousse près des cimetières. Et les Saxons installent les leurs près des églises. Jusqu'à noir pousse dans les cimetières. L'Angleterre chrétienne n'en manque pas. La jusquiam noire a une odeur particulière. Comme celle-ci. Il doit y... J'ai assez de jusquiam noire. Ce qu'elle sent mauvais. Dois aller retrouver Bjorn. Yeah!
Inspecte les alentours, Sinine. Tiens, Bjorn, comme promis. T'as juste Cam Noir. Bien. Elle a le pouvoir qu'on recherche pour ce rite. C'est presque prêt. À en croire les Skalds, c'est à un arbre tel que celui-là qu'Odin s'est pendu. Il a survécu, alors que la plupart meurent. Yggdrasil. L'arbre monde. Potence d'Odin. L'endroit où la vie et la mort ne font qu'un. Viens avec moi, grand corbeau. Le Seidr attend. La mixture de Berserker est forte. Elle peut ouvrir les yeux au domaine des esprits. Elle peut aussi te transformer en bête fauve. Quoi qu'il arrive, affronte-le sans peur. Chante ton combat, toi la peau d'ours, en pelure de loup, le sang dans la coupe. Je combats pour la gloire, mordeur de boucliers, briseur de murs, né dans le tumulte. Chante ton combat, toi la peau d'ours, en pelure de loup. Le sang dans la coupe. Je combats pour la gloire, mordeur de bouclier, briseur de murs, né dans le tumulte. J'ai souvent côtoyé la mort. Mais là, c'était... J'ai l'impression qu'un Yotun m'a frappé à la tête. C'est impressionnant, non? La mixture de Berserker n'est pas... n'est pas au goût de mes entrailles. Mais tu es toujours en vie. Sens-tu la puissance du sang de l'ours courir dans tes veines? Oui, mais toi, tu étais un ours. Et la puissance de l'ours est toujours en moi. Je suis prêt. Où va-t-on? Les Merciens qui ont tué ma femme se tairent à Beodorichwers. Nous allons tous les tuer! Avec moi! J'ai souvent côtoyé la mort. Nial goûtera au sang des Merciens. Montre-moi ce que tu sais faire, Berserker! Pour Alfild!
Sentir le meurtrier de ma femme. Il est là. Tu l'as tué. Je lui montre, ça va aller. Pourquoi? J'ai toujours voulu le berserker. Et une boule de blanc pour un joli trou. Chose est faite. Dominus Alpha Supplementum Alpha Liquidia Domino. Signatra Unis Pia et Visum Simba Natura. Protège mutuellement! Diable t'emporte!
de grandes pertes pour les regarde. Payez de ta vie. Bjorn, ton ennemi est mort. Tu as ta vengeance. Oui. Mais je crains d'avoir une dernière chose à te demander. Si tu es d'accord. Je t'écoute. Njal est fatiguée. Je vais prendre soin d'elle sous l'arbre où tout a commencé. S'il te plaît, apporte-nous ses fleurs préférées. Elles ressemblent à... Je les connais. Je vais en cueillir et je vous retrouve sous l'arbre aux pendaisons. Sois forte, ma petite. Papa Bjorn est là. J'ai vu. Et de Njal derrière l'arbre aux pendaisons. Mes yeux, Zinid. La tombe de son épouse. Je comprends pourquoi il vient souvent près de cet arbre. Voilà des fleurs pour Njal. Maintenant, retrouvez Bjorn sous l'arbre aux pendaisons. Je l'ai amené ici, où tout a commencé, et où tout s'achève. Je comprends. Ils ont pendu ma femme à cet arbre, et l'ont enterrée entre ses racines. Un triste sort qu'elle ne méritait pas. Nous avons recueilli Njal. Elle et moi. Elle était toute petite. Nous n'avions pas d'enfants. Aujourd'hui, toutes les deux sont mortes. Il ne reste que moi. Cher Njal, tu as toujours été à mes côtés, pendant les plus belles années de ma vie. Pourquoi faut-il que cela finisse ainsi ? Njal dormira au pied du père de toutes choses ce soir. Oui. Si on accueille les chiens fidèles dans la halle des braves, Njal y a sa place. Auprès d'Alfhild.
m'as demandé si j'accepterais de me joindre à ton clan. J'y suis prêt. Bien. Il y a une place pour toi à bord de mon navire, et au sein de mon clan. Je chanterai les hauts faits d'Alfild et de Nial pendant nos voyages. Et je scanderai leur nom au combat. Lorsque tu seras prêt, suis le fleuve Néné jusqu'à ma colonie. Nous t'accueillerons comme un frère. Je serai le berserker du clan du Grand Corbeau.